Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, petite info, parce que maintenant vous avez l'habitude, hein, quand je marque info, c'est qu'il y a une catastrophe qui est arrivée. Alors, vous savez qu'il y en a un qui m'a cassé mon site, il a tout brûlé, on est en train de tout refaire, et le site est bientôt fini, donc une deuxième version en prix propre. Ouais, et... bref, on va dire que c'est passé ça, ça y est. Voilà. Et là, je suis sûr que celui qui m'a cassé mon site, il est venu dans la nuit, et il m'a arraché... Alors, je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir. Il m'a arraché mon poteau téléphonique. Donc, on n'a plus de téléphone. C'est un complot. On n'a plus d'internet. On n'a plus rien au magasin. Donc, on fait des partages de connexion avec un téléphone. On rachète des forfaits pour, c'est une blague, pour avoir internet. Mais c'est une blague. On arrive à travailler. Voilà. Vous pouvez toujours passer les commandes. Il n'y a pas de souci de votre côté. Vous, il ne vous arrivera jamais rien. C'est moi. Vous inquiétez pas. Il faut le faire quand même. On a un poteau qui est caché derrière une haie, et il y a un camion qui a réussi, hein, je sais pas, transpalette, un truc comme ça, ouais, à aller derrière la haie, à prendre avec, je sais pas comment il s'est démerdé, à prendre le poteau électrique, et en partant, il a tout arraché. Ouais. Il a arraché le poteau électrique, donc tous les fils électriques et toute la fibre du quartier, et le téléphone n'y est plus. Donc voilà. Forcément, on a effectivement plus d'internet au magasin, et donc plus de téléphone, puisque la ligne téléphonique, c'est internet. Donc on a signalé la chose, donc, ils sont venus. Et une heure après, un deuxième camion qui a arraché l'autre poteau un peu plus loin. Je sais pas, il est arrivé et bim. Bon, il n'a pas arraché, mais il a plié. Donc, on a crié, il s'est arrêté avant. C'est un complot. Mais le poteau, il était comme ça, voilà, vu de profil. Mais il est toujours, celui-là, il tient grâce au fil, hein, donc ça va. Mais voilà, c'est pour vous dire que si vous voulez nous joindre, tout ça pour vous dire ça, appelez-nous sur mon téléphone portable et je suis toujours disponible, voilà. Et oui, parce que sur le fixe, forcément, il n'y a pas de tonalité, on ne répondra jamais. Et vous avez vu, on a toujours le moral, hein, on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Ah ben là, donc, voilà. À part mettre des sucres sur la ligne téléphonique qu'ils ont maintenant coupée. Ah ouais, là, c'est une catastrophe. Oh, cool. Mais heureusement, on avait une poubelle pour tenir le poteau, vous avez vu la photo, et là, ça tient bien. Voilà, donc toujours pareil, si ceux qui n'arrivent pas à se connecter, parce que le mot de passe, si vous n'arrivez pas à le récupérer, parce que... Le récupérage automatique ne marche pas, appelez-nous, je vous remets le mot de passe instantanément. Si vous avez un souci, appelez-nous. S'ils n'arrivent pas à passer la commande, appelez-nous. Et appelez-nous dès qu'il y a un problème. C'est mieux que d'envoyer un mail, parce que les mails, il y en a trop, j'arrivais pas à répondre. Mais, de toute manière, ça ne sert à rien, tapez Internet. En plus, voilà. Donc appelez-nous. Il y en a qui préfèrent, il y a certains sites qui ne mettent pas leur numéro de téléphone, hein, écrivez-nous. Nous, c'est appelez-nous, voilà. Et si je décroche, c'est que vous ne me dérangez pas. Donc ne vous excusez pas en disant excusez-moi de vous déranger. Vous ne me dérangez pas, je décroche. Je suis là pour vous servir, je suis là pour être à l'écoute. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, merci à tous. Le nouveau site va bientôt arriver. Il est presque prêt, on fait des petites modifs et voilà. Ouais, enfin là, ça ralentit un peu quand même. C'est un petit raoui, mais bon. Faire un site sur un téléphone... C'est sûr. Mais on y arrive, on va y arriver. Voilà. Oui. Allez, bye bye, à tout bientôt. Allez, à bientôt.